Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur Brigitte Voyance pour votre guidance du mois de juin avec l'entrée en Gémeaux le 25 mai de Jupiter. Eh bien, vous allez avoir une année magnifique, réaliser vos projets, avoir de grands succès dans vos affaires grâce à vos efforts au quotidien. Hein, cela va payer, hein. Cela va payer aussi au point de vue santé, hein, pour ceux qui sont un peu fatigués peut-être. Il y a des moyens de retrouver de l'énergie sur le plan sentimental. Vous aurez envie de rentrer chez vous le soir, vous aurez envie d'être en famille avec la personne que vous aimez, avec vos enfants. Et peut-être que pour les célibataires, vous qui êtes quelqu'un de sérieux, de carré, eh bien vous rencontrerez quelqu'un comme vous, mais ne soyez pas trop rigide. Mettez des plages, un peu d'originalité dans votre vie au quotidien, pour un peu, des fois, casser la routine, pourquoi pas. On va voir en quatre postes, avec d'abord l'oracle de Béline pour vous Capricorne, ce mois de juin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à appuyer sur la cloche de notification. Merci de vérifier vos abonnements. Peut-être que vous n'êtes plus abonné en croyant l'être. Et puis, des commentaires, des pouces, je vous en remercie pour que la chaîne fonctionne. Nous ne sommes pas loin d'avoir 15 000 abonnés. Alors, j'espère que cela se fera rapidement. À ce moment-là, je ferai un direct où je répondrai à vos questions. Pour ceux qui désirent bien sûr une consultation en privé, mes coordonnées sont sous la vidéo. Et peut-être dans la vidéo, lorsque je ferai le montage, je verrai cela. Je vais commencer par Béline, après on verra avec trois autres oracles, eh bien nous verrons un petit peu ce mois de juin, que vous soyez solaire, ascendant, ou que vous ayez votre lune en Gémeaux. Allez, on y va tout de suite pour vos Capricornes avec le Béline. On va voir s'il y a cette belle énergie qui commence déjà en juin, de réussite, de succès dans vos affaires. Et on y va avec la grâce. Là, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux. Et oui, la grâce. Vos efforts sont protégés, votre travail est protégé, votre vie est protégée. Ce que vous entreprenez, est protégé. On est vraiment dans quelque chose de magnifique, dans une très belle carte. Là, vraiment, on sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience, hein. Et la grâce vient mettre, comme vous voyez, un manteau de protection là, hein, pour protéger eh bien ce que vous avez semé, ce que vous avez fait. C'est une très très belle carte. Et il y a, quand on voit cette carte, on voit, vous voyez, la terre, hein, la terre. Ce sont vos efforts, votre ancrage, et puis cette élévation là, cette ascension, vous voyez. Comme si cet oiseau venait prendre un petit peu, eh bien, ce que vous avez fait, ce que vous avez semé, pour le porter au ciel, pour le porter plus haut, pour faire que les choses avancent, en tout cas sous une belle protection. Voilà. C'est très, 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 très beau. Je vais mettre la carte là en espérant que vous la voyez. On va continuer pour vous, Capricorne. Il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dites avec cette découverte. Vous allez apprendre des choses, hein, des révélations. Peut-être avec cette grâce, vous allez vous révéler vous-même, révéler votre potentiel, montrer ce que vous êtes. Peut-être l'avez-vous caché, l'avez-vous voilé, parce que peut-être vous ne sentiez pas que c'était le moment. Et bien maintenant, il y a des révélations qui vont être faites. Mais on voit aussi l'idée de descendre en soi, de voir un petit peu ce que l'on est vraiment, ce que l'on peut s'apporter et apporter aux autres, à votre entourage. Il y a l'idée, avec cette lune qui est là, et cette chouette qui est là, l'idée de suivre son intuition, de faire appel à sa sagesse, parce que la chouette, c'est aussi cela, vous voyez. Et tout cela va faire aussi que vous allez peut-être dire des choses, dévoiler des choses. Vous voyez, on a aussi un livre, un parchemin, hein, vous voyez, qui parle de connaissances, de savoir. Tout cela va être porté, va être révélé, va être donné, va être protégé. Et puis il y a aussi l'idée, peut-être, avec bien sûr cette découverte, l'idée du parchemin, de la sagesse, de s'intéresser à la philosophie, à la spiritualité, à l'ésotérisme, vous voyez. Peut-être il y a aussi pour certains la révélation de dons spirituels, de dons médioniques. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a vraiment une ascension vers quelque chose de nouveau. On quitte le sol, on s'ancre dans le sol, mais en même temps on s'élève vers autre chose. On change sa façon de vivre, on a envie de découvrir des choses nouvelles, hein, de lever des voiles.
Alors, il y a une carte solaire qui parle d'amitié, d'entourage. Vous serez bien entouré, vous serez accompagné. Vous aurez peut-être l'occasion aussi de partager tout cela avec vos amis. Il y a l'idée peut-être d'agrandir ces relations, de rencontrer d'autres personnes. C'est intéressant parce que vous aurez autour de vous des personnes qui vous comprennent, qui vous accompagnent, qui vous aident. Et puis, il y aura de beaux échanges en cela. Vous aussi, vous serez capable d'aider, d'être aidé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beau sur le plan relationnel et amical. Et peut-être allez-vous vous découvrir et vous montrer différemment auprès de vos relations, ou peut-être élargir votre centre d'intérêt, votre centre relationnel pour aller vers les autres, voyez, agrandir votre famille. Et voyez, regardez ça. Il y a une carte magnifique qui est cette carte bleue, qui est un joker qui vous dit que tout cela est protégé, que cette avancée de vous-même avec ce Jupiter qui va vous permettre un petit peu de vous montrer au monde tel que vous êtes, d'avoir du succès dans ce que vous entreprenez. Eh bien, dans vos rencontres, dans vos amitiés, dans vos apprentissages, dans vos études, dans l'envie d'un peu de décoller, vous Capricorne qui est un peu un signe de terre, de décoller de la terre tout en étant ancré pour accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus élevé, quelque chose peut-être que justement vous n'avez pas encore abordé et que vous avez envie de découvrir, voyez. Vraiment, il y a une évolution sur le plan spirituel, sur le plan de la connaissance. Alors, bien sûr, tout cela ne se passe pas sans peut-être des jalousies, parce que j'ai la carte de l'ennemi, hein, une carte de Mars. Peut-être des affrontements, des personnes qui vont vous piquer, qui vont en même temps avoir envie de... qui ne vous comprendront pas, peut-être parce que vous allez changer de façon de fonctionner, de façon de voir les choses. Alors, ces ennemis, vous allez être protégés parce qu'il y a la grâce, il y a la carte bleue. Vous saurez faire le tri sur les personnes qui vous cherchent des histoires, entre guillemets, qui cherchent à vous déstabiliser, voyez, n'ayez pas trop de crainte, vous serez apte à vous éloigner de ces personnes sans chercher, à mon avis, l'affrontement. Plutôt, on vous invite à éviter l'affrontement et aller vers les bonnes personnes, ces personnes amicales, ces personnes solidaires avec vous qui sont là. Il y a beaucoup de protection de toute façon. Et vous avez cette carte solaire qui parle d'élévation dont j'ai parlé avec la grâce. Hein. Vous êtes sur un chemin d'élévation dans vos affaires, dans votre travail, dans votre vie personnelle, sur le plan familial aussi, et l'envie d'aller plus haut, d'aller vers le soleil sans se brûler les ailes comme Icare, mais aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être vous inviter, et vous avez envie sûrement de sortir d'une certaine routine qui vous enfermait. Alors là, il y a l'idée, j'essaie de mettre les cartes qu'elles soient alignées, je suis un peu compliquée là, mais voyez, il y a l'idée vraiment d'aller ailleurs, de voir autre chose, de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir la conscience également. Voyez, il y a quelque chose comme cela. Alors encore une fois, vous voyez, il y a vraiment autour de vous peut-être, et on est dans la carte lunaire encore une fois, des choses cachées, des personnes même qui vous trahissent, que vous ne connaissez pas, et qui vont peut-être même se révéler. Vous voyez, avec la découverte que l'on avait là, il y a l'idée aussi peut-être, moi j'ai parlé d'élévation, d'apprentissage, de connaissances, mais il y a peut-être aussi des choses qui vont se révéler, des trahisons autour de vous. Et il y a quand même des choses cachées là, des choses sournoises, je dirais, parce qu'avec les ennemis et la trahison, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors soyez prudents, oui, parce que lorsqu'on réussit, lorsqu'on avance, lorsqu'on a du succès, lorsqu'on est bien entouré, bien, il y a toujours des personnes qui sont jalouses. La jalousie, on ne la changera pas, c'est comme ça. Alors, essayez d'avoir les idées claires et de voir clair dans le jeu de certaines personnes. Il y aura un moment de flottement, justement, peut-être, parce que dans vos avancées, dans votre avancée en ce mois de juin, eh bien, il y aura des personnes qui souffleront le chaud et le froid. Il y aura des situations, peut-être, qui auront du mal à se mettre en place. Vous voyez, il y a un peu d'instabilité. Et ce sera à vous, bien sûr, à rester ancré, à rester droit dans ce que vous voulez faire. Et je vous ai parlé d'un travail au quotidien qui payera, hein, en vous réveillant tout le matin pour aller travailler, pour faire ce que vous allez faire. Eh bien, c'est grâce à ça que vous allez trouver la stabilité. Une certaine rigueur que vous connaissez, eh bien, sera de mise d'autant plus en ce mois de juin, parce qu'il y aura des éléments qui viendront peut-être perturber ce que vous voulez faire. Hein. L'inconstance, c'est...
des choses qui ne sont pas claires. Alors ça peut être par rapport à ses ennemis, cette trahison, mais ça peut être aussi en vous-même l'idée que vous vous sentirez par moments un peu perdu, sans savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur une bonne avancée. Mais ce seront vos efforts, vos compétences, votre savoir-faire qui payera dans ce que vous allez entreprendre. Et la façon, l'intelligence aussi pour s'entourer de belles personnes. Oui, parce qu'avec cette carte, cette carte saturnienne, il y a quand même l'idée qu'il y a beaucoup de changements, voyez. Il y a des choses qui vont évoluer, il y aura des bouleversements. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, vous aussi, et vous le sentez, de changement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, cette tour foudroyée, là, qui est là, qui est la tour foudroyée dans le tarot de Marseille, va vous permettre de revoir un peu au plan de la conscience, de votre esprit, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ainsi ce dont je vous ai parlé avec la grâce. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a toujours cette idée de terre, de stabilité qui est là, de fondation que l'on voit dans les deux cartes. Mais l'idée est qu'en haut, ça change dans l'esprit, dans la tête, dans la conscience, et qu'il y a envie et même si les choses sont longues, ont été longues, eh bien, ce sera en ce mois de juin un grand moment de changement dans votre vie. Un changement que vous aurez peut-être voulu, un changement peut-être qui va vous tomber comme ça dessus, comme une certaine foudre, mais qui va être bénéfique parce que vous allez en sortir grandi. Alors, bien sûr, regardez, j'ai dit bien sûr, mais je tire une carte. C'est la carte du choix, la carte de la contradiction, c'est la carte du procès, c'est une carte martienne. Alors on peut voir là-dedans, bien sûr, un affrontement avec une autre personne, des différents, on l'a vu, des ennemis, la trahison, bien sûr, vous aurez peut-être du mal pour certains à imposer vos idées, étant donné que vous êtes dans un chemin d'évolution, eh bien autour de vous, il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord, qui n'ont pas envie de vous perdre dans ce que vous étiez avant. Eh bien, il y a l'idée aussi dans cet affrontement, on est dans le choix, c'est la carte du 2 d'épée dans le tarot de Marseille, où on a l'idée qu'on est confronté à un choix, et que ce choix perturbe l'esprit, hein. Ce choix fait que l'on est pendant un moment, d'autant plus qu'on a cette carte de la ruine, eh bien, dans l'idée qu'on a l'impression que tout s'effondre et que le mental va brûler, va exploser. Ben non, c'est l'idée, bien, de voir en vous-même ce qui est bon pour vous. Inutile de faire un combat entre vous-même, entre vous et vous, c'est l'idée de choix. Il y a un choix qui s'impose dans ces changements pour avoir cette belle évolution qui est là. Eh bien, c'est le choix de vous-même, le choix d'aller de l'avant. C'est le choix non pas de se battre, de se confronter, mais de se comprendre. Et dans cette carte qui paraît un peu difficile, et qui est une carte, encore une carte martienne, eh bien, c'est l'idée que c'est dans l'apaisement, en regardant au fond de vous ce que vous désirez, que vous arriverez avec ces changements. Hein, vous voyez, parce qu'on est encore dans la tête. Là, c'est toujours des cartes mentales. Bien, vous allez retrouver une stabilité dans votre esprit et vous allez pouvoir faire le bon choix pour avancer. Le bon choix, ça serait peut-être de vous éloigner des personnes qui sont négatives pour vous. Le bon choix, ce serait vraiment de suivre votre chemin, d'être dans cette voie d'évolution qui est là pour vous. Et je vais prendre une dernière carte, voyez, c'est la carte de l'ouverture de la clé. À vous d'ouvrir les portes, la clé va vous être donnée. La clé, c'est vous-même. La clé, c'est le choix qui va vous porter, qui va vous faire vous élever. C'est le choix d'une nouvelle vie, c'est la promesse de quelque chose de nouveau et cette clé, elle est en vous. Je vais continuer, si vous le voulez bien, avec l'oracle bleu pour voir un petit peu la suite de cette belle histoire. Alors, avec l'oracle bleu pour les Capricornes au mois de juin, avec un très beau tirage, pas toujours facile, mais un beau tirage sur un chemin d'évolution avec de belles ouvertures pour les Capricornes qui verront leur travail au quotidien qui payera, hein, qui sera récompensé. Alors, confiance, hein. Du sérieux, oui, mais parfois un peu d'originalité, hein. Et l'on va voir qu'est-ce qu'il arrive. L'arbre de vie, voyez, c'est cela. On est encore dans cette idée d'ancrage, voyez, d'élévation et d'ancrage que l'on a vu. Regardez, avec la carte de la grâce, là, qui est là. Bien, voyez, vous avez semé, il y a un beau terreau qui va vous permettre de vous élever, de grandir comme cet arbre, d'enracinement, mais ensuite d'élévation également. Et je garde ces deux cartes. Alors, c'est assez intéressant parce que souvent, lorsque je tire une carte avec le Béline, il y a la même chose qui est dite, bien sûr, dans une carte différente, mais le même message qui est donné. Et là, encore une fois, le message qui est donné, eh bien, c'est l'ancrage et l'élévation. En vous ancrant, hein, vous allez vous élever d'autant plus avec la protection
Alors, on continue. Tiens, une carte qui veut sauter. Vous voyez, le patriarche, il représente vous-même, vos efforts, votre solidité, hein, votre constance, hein, l'affirmation de vous-même. Et puis, le patriarche, il a de la connaissance. C'est une personne d'un certain âge qui a appris, qui a compris, qui a beaucoup de sagesse, parce que c'est cela. Alors, on vous invite, bien sûr, avec cette sagesse, à vous élever, à voir la vie différemment, à entrer dans une nouvelle façon de voir les choses, dans un autre état d'esprit, à grandir, hein, à acquérir de plus en plus de sagesse, hein, à ne pas vous contenter de voir le supérieur, par exemple, ce qui est apparu, mais aller voir en dessous des choses ce qu'il en est vraiment, et apprendre à vous connaître et à grandir en sagesse et en connaissance. Voyez, vous êtes peut-être, pour certains, vous avez été dans une période de difficulté parce que vous étiez un peu dans la nuit, vous ne saviez pas où vous allez. Mais voyez, il y a une lumière qui vous guide vers ces changements, vers cette élévation. Il y a quelque chose de très, très beau. Alors, du chagrin, il y en a eu, hein, certainement, pour certains. Beaucoup de pleurs, de tristesse, de désolation, voyez. Mais cette nuit va... Regardez avec cette belle lumière qui est là, le chagrin va s'estomper. Cette eau-là qui coule lorsqu'on a du chagrin qui pleure, c'est une eau de ressourcement, c'est une eau de vie, hein, qui abreuve, qui permet de, comme un fleuve s'écoule, vous voyez, de la source à la mer, vous voyez, qui va vous permettre d'avancer, de comprendre, d'acquérir de la sagesse, de dépasser les épreuves, vous voyez, avec cette lumière qui est là dans la nuit, et toujours dans cette idée de grâce, d'élévation. Le commerce, êtes-vous dans le commerce? Eh bien, on pourrait dire que vous aurez des efforts à faire dans le commerce, dans vos activités, dans votre clientèle, à développer tout cela pour certains, peut-être à créer un commerce pour d'autres. En tout cas, dans le commerce, il y a aussi, sans créer un commerce et sans être là-dedans, l'idée d'échange, de communication, de parler, de montrer ce que l'on est, ce que l'on sait faire, voyez, de développer ses activités, de développer ce que l'on est par la communication, hein. Si on peut se faire de la publicité, voyez, il y a un désert qui est là. Peut-être avez-vous besoin d'être plus en confiance en vous, de développer vos activités, de vous montrer sous votre jour. Il y a l'idée aussi dans ce désert de ressourcement, j'en ai parlé avec cette histoire de chagrin, d'eau qui coule, et bien dans le désert, c'est l'idée de trouver l'eau qui purifie, l'eau que l'on a en soi-même, cette eau de vie, voyez, pour se ressourcer. Alors peut-être il y aura des moments où il y a eu des moments de difficulté, où vous vous sentiez perdu dans le désert, mais on vous invite à sortir de cela. Vous avez évoluer, vous avez acquis de la sagesse, de la force, hein, du coffre, comme on peut dire. Et avec cette carte-là qui est là, on vous invite maintenant à aller vers les autres, ne plus rester en vous-même, ne plus vous recroqueviller, mais aller vers le monde, communiquer sur vous, communiquer avec les autres. Vous voyez, c'est très très beau, vous voyez. Le temple est en vous, regardez, il y a de très belles cartes qui se parlent, c'est-à-dire que dans ces moments de solitude, de difficulté que vous connaissez ou que vous avez connu, vous avez grandi, vous avez acquis en sagesse encore une fois. Maintenant, votre corps, c'est votre temple. C'est là où vous pourrez développer ce que vous êtes, votre esprit, votre sagesse, voyez. Et si par moment vous avez, comment pourrais-je dire, des moments de doute, eh bien c'est en rentrant en vous que vous trouverez des solutions pour avancer, voyez. Il y a un lieu là qui est ce lieu de... non pas de solitude, mais un lieu de reconstruction dans les moments de difficulté. Il y a une idée vraiment que vous avez grandi en sagesse, en grâce, en beauté intérieure, vous voyez. C'est vraiment très, 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 très beau, voyez. De bonnes nouvelles arrivent vers vous. Ce sont des nouvelles rapides en ce mois de juin qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer dans ce que vous voulez entreprendre. Que ce soit dans vos activités professionnelles, vous voyez. Des nouvelles que vous attendez, un courrier, un message. On vous dit de vous connecter à l'eau. Alors peut-être avez-vous un ascendant en eau, connaissez-vous quelqu'un qui est dans un signe d'eau, mais il y a l'idée de l'eau qui purifie encore une fois. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes là qui, en tout cas dans lesquelles je vois cette idée d'eau, de purification, l'eau qui nourrit, qui fait grandir, qui fait croître cet arbre magnifique, hein, un arbre qui a besoin de s'enraciner mais qui a besoin aussi beaucoup d'eau pour grandir, pour s'élever. Et il y a l'idée avec l'eau aussi de faire appel à votre intuition, à votre créativité, à votre source intérieure, même à la source divine, pour avancer, pour évoluer. L'attachement, êtes-vous attaché à une personne? Avez-vous
une personne, que ce soit dans votre famille, dans une amitié, dans une relation amoureuse, il y a une idée d'attachement. Dans l'attachement, il y a l'idée d'une bonne santé. Peut-être avez-vous besoin d'être attaché à une personne, en tout cas si vous connaissez une personne à laquelle vous êtes attaché, eh bien on pourrait dire que sur le plan de la santé émotionnelle, sentimentale, sensible, eh bien c'est une belle chose en tout cas pour vous. Hein. C'est une chose qui vous permet aussi de vous ancrer, d'avoir envie d'avoir des projets, de faire des choses. Hein. Moi, je vais arrêter avec l'oracle bleu et je vais continuer avec un oracle. Peut-être l'oracle des miroirs, tiens, ça vous dit quelque chose. Pour les Capricornes, on continue maintenant avec l'oracle des miroirs. Je mettrai en dessous de la vidéo le temps si vous voulez voir ou revoir. Donc, eh bien, suivant l'oracle que j'ai développé pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, vous aurez le temps pour choisir, pour voir toutes les vidéos, pour y revenir. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je vous en remercie. Capricorne. Un homme. Il est question d'un homme, mais il y a une question là, d'énergie, de pouvoir, d'action. Alors, est-ce vous, cet homme, pensez-vous à un homme? En tout cas, il y a cette idée d'aller de l'avant, d'être dans un esprit de conquête, vraiment d'action. Hein. C'est cela que cette carte de l'homme, encore la trahison qui sort. On avait vu la trahison tout à l'heure, elle est là avec Béline. Hein, faites attention hein, aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous croyez honnêtes, aux personnes que vous pensez être là pour vous, avec vous. Des personnes auxquelles vous tenez peut-être, en tout cas, faites attention à vos amitiés, faites attention aux personnes à qui vous parlez de vos projets, voilà. Je ne dis pas d'être dans la défensive, mais soyez dans la prudence. Alors le temps avance, le temps est là, le temps compte, c'est une carte bien sûr parfois, lorsqu'on la voit, qui indique qu'il faut le temps pour faire les choses, que le temps peut vous paraître long, hein, qu'il n'est peut-être pas encore le temps, qu'il est le temps, mais de toute façon il y a une idée de délai, de temps qui marche pour vous, qui compte pour vous, qui travaille pour vous. Alors les choses sont, avec ce retour, dans l'idée du cycle de la vie, du retour des choses, du cycle inéluctable de la vie. Et vous aurez peut-être l'impression, pour certains, avec ce temps et cette roue qui tourne, que les choses sont longues à tourner, que les choses n'avancent pas assez vite. Et c'est là que l'on vous invite peut-être à donner une certaine impulsion, de faire quelque chose pour que les choses aillent dans le bon sens. Mais on est toujours dans l'idée qu'on a besoin, avec cette carte du retour, de faire que, eh bien, c'est à vous qu'il tient d'actionner la roue de votre vie, voyez. Ne pas se laisser se porter par les événements et peut-être par moment donner une impulsion aux choses, à ce que vous désirez faire pour pouvoir justement aller de l'avant et engager un bon cycle. Voyez, il y a quand même l'idée que vous allez trouver une certaine tranquillité, que vous allez trouver de l'apaisement. Là, on est aussi dans cette idée d'élévation, de sagesse, et on l'a, cette carte qui est là, avec l'oracle bleu hein, de tout à l'heure, le temple, la sagesse intérieure, les moments d'apaisement, peut-être la méditation, le silence, le retrait dans un lieu qui vous appartient, peut-être le retrait du monde par moment pour vous ressourcer, pour guérir si vous êtes fatigué aussi. Hein. Voilà, et l'idée aussi de guérison sur le plan physique, sur le plan de l'esprit. Le cadeau, la vie va vous donner des cadeaux en ce mois de juin, des cadeaux que vous attendez, des cadeaux qui ont été longs à venir, des récompenses dans votre travail, du succès dans vos affaires, un message, un sourire, un regard, une rencontre, vous voyez, il y a tout cela. Des cadeaux, la vie est là pour vous donner des cadeaux parce que vous le méritez, parce qu'on vous observe, parce que le ciel est là qui vous regarde et qui a envie de vous récompenser de vos efforts. Sexualité, alors c'est dans le bonheur d'être à deux, le bonheur de l'amour, de la sensualité, le bonheur d'être avec l'autre, de partager des moments intimes avec l'autre, vous voyez, il y a cela qui est là. Vraiment un très très beau tirage pour vous. On verra tout à l'heure le plan sentimental. Alors il y aura peut-être des déplacements ou peut-être vous serez en connexion avec des choses qui sont au loin. Alors ça peut être dans votre travail, vous aurez peut-être à vous déplacer pour votre travail. Peut-être vous aurez envie aussi de par moment d'avoir des plages de ressourcement avec un petit week-end, pourquoi pas. Hein, un petit week-end à deux, pourquoi pas, ça serait bien.
certaines que vous avez envie parfois de vous poser parce que vous travaillez pour vous, vous êtes quelqu'un de beaucoup, vous êtes quelqu'un de sérieux, d'appliqué, et peut-être qu'un petit week-end, sans aller bien loin pour voir autre chose, pour aller vers autre chose. Dans ces moments où on fait un break, des fois, on s'ouvre à d'autres choses, des choses inconnues, des choses nouvelles qui nous renforcent, qui nous font grandir. Et dans cette carte du voyage, bien sûr, il y a aussi l'idée avec cet explorateur là qui a une longue jumelle là. C'est l'idée aussi d'avoir envie d'apprendre des choses, de voir des choses, de s'ouvrir à autre chose, voyez, d'être curieux, hein, de sortir un peu de sa routine. Beaucoup de curiosité là, hein, il y aura, je pense. Hein. Allez, une dernière carte pour voir ce qu'il en est, avant de prendre le Normand. Là, c'est la carte du miroir magique qui vous protège. C'est un petit peu la grâce que l'on a vue tout à l'heure. Cette grâce qui disait, eh bien que, je ne sais pas où elle est, mais je la retrouverai peut-être. Hein. Eh bien qu'il y a de la protection. Hein. On peut voir aussi la clé, l'ouverture, hein, la bénédiction dans vos actions, voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui va se passer, une ouverture. Parce que vous allez grandir, parce que vous allez acquérir de la sagesse, parce que vous allez regarder aussi, être vraiment dans une autre phase de vous-même. Vous allez être recentré. Voilà, et on est dans le chakra du cœur, dans le centre. Là. C'est très très beau. On va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on va voir un petit peu avec le petit Lenormand avant de prendre mon oracle smoothie love. Et il est sorti l'hélice. Ben, l'hélice, c'est la consécration, c'est l'élévation. Hein, c'est vraiment une grande ascension, une ascension magnifique, une récompense de vos efforts. C'est un petit peu comme les lauriers de la gloire. C'est la reconnaissance aussi. La reconnaissance peut-être si vous êtes dans une activité, si vous cherchez un travail, si vous voulez une augmentation. On reconnaît vos compétences, on reconnaît vos qualités. Il y a une certaine gloire qui est là. Hein. Vous avez un bâton ou un sceptre qui dit que vous avez atteint un certain sommet, une certaine valeur, une certaine maîtrise dans ce que vous faites. Hein, vraiment, c'est très beau. Vous êtes reconnu, apprécié. Vous voyez, encore, on a cet arbre-là, cet arbre toujours de l'élévation, cet arbre, je ne sais pas si, où il est, cet arbre, j'aimerais vous le remontrer. Cet arbre qui parle bien de grandir, de s'élever. Cet arbre qui parle d'ancrage, mais aussi d'élévation. On grandit, on s'élève, et on est reconnu, là. Hein, vous voyez, on est reconnu dans ce qu'on fait, dans ses activités. Je voudrais le retrouver, cet arbre. Il ne doit pas être bien loin. Il est là, non? Voilà. Non, ça, c'est la grâce que j'avais tout à l'heure. Bon, mais ce n'est pas grave. J'avais l'arbre dans le Béline. Ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a l'idée de reconnaissance, d'ancrage. On grandit, on est reconnu, on s'ancre et on est plus fort dans ce qu'on fait, que ce soit dans son travail, dans ses activités. L'arbre, c'est aussi l'idée de la famille, vous voyez, de l'ancrage, du milieu familial. Vous voyez, on est un peu celui qui abrite les siens, celui qui donne la sécurité. Vous voyez, il y a tout cela dans l'arbre, mais il y a l'idée de quelque chose de magnifique. Alors, il y aura aussi beaucoup de moments agréables. Il n'y aura pas que du travail, hein, parce que là, avec le jardin, on se ressource. On va dans des lieux où on rencontre des personnes, des lieux où on a certains plaisirs. Ça peut être des lieux de restauration, des lieux de villégiature. Ce sont des lieux de ressourcement. Hein. Ce ne serait-ce qu'aller dans un parc pour se ressourcer, pour écouter les oiseaux, aller dans la nature. Vous voyez, le jardin, c'est là où on rencontre des gens, où on a de la communication, on rencontre des nouvelles personnes. Vous voyez, vous aurez envie peut-être par moment justement de vous ouvrir. Une fois que vous aurez atteint un certain rythme de croisière, eh bien vous aurez envie de partager des choses avec vos amis, avec les autres, d'aller à la rencontre, voyez. Il y aura des accords qui vont se faire, des accords que ce soit familiaux, amoureux, voyez. Il y a l'idée aussi sur le travail, on communique, on parle, et puis si on est dans le travail, si vous êtes en activité pour vous-même ou si vous êtes employé, eh bien, voyez, il y a une reconnaissance qui amène à des accords, des signatures de contrat, des signatures pour être embauché dans une entreprise, vous voyez, il y a tout cela. Mais on communique beaucoup, là, on partage, on reste pas enfermé, là. Il y a une idée de s'ouvrir, vous voyez, d'aller vers les autres. Alors avec le fouet, c'est toujours pareil. Le fouet, c'est toujours désagréable quand on sort cette carte de fouet, je ne l'aime pas trop. Mais il y a l'idée de, par moment, c'est un peu, comment pourrais-je dire, on avait sorti tout à l'heure la carte de la trahison. Alors je vais revenir aux ennemis, à la trahison que l'on avait sorti tout à l'heure. Eh bien, c'est un peu cela. Il y a l'idée que dans cette ascension, dans ces élévations, dans cette...
prise de conscience de vous-même et de l'acquisition en sagesse, de l'acquisition aussi peut-être d'être bien entouré, de partager de belles choses avec les autres. Il y aura toujours des personnes qui seront malveillantes, des personnes qui voudront bien casser tout cela, empêcher que tout cela se réalise, empêcher que des accords se fassent, vous voyez. Eh bien voilà. On a de nouveau le cavalier avec les nouvelles qui arrivent. On avait vu tout à l'heure les nouvelles qui arrivaient. Hein. Des choses qui arrivent rapidement vers vous. Si vous attendez des nouvelles pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, pour sceller des accords, eh bien, ce ne sont pas les personnes malveillantes qui essaieront d'empêcher ce cavalier d'arriver qui y réussiront. Parce que, voyez, il y aura de beaux accords qui vont se faire, des belles nouvelles pour réaliser des accords. Et ces accords, vous les attendez, vous allez travailler pour vous. Avec le bateau, on parle encore une fois d'aller loin, d'aller voyager, de se déplacer. C'est la carte tout à l'heure que l'on avait vue, la carte du voyage. Eh bien, voilà, il y a l'idée d'aller chercher loin, de découvrir des choses nouvelles, de sortir de son lieu de vie, je ne dis pas, comment pourrais-je dire, définitivement peut-être, mais d'aller voir au loin ce qui se passe. Oui, s'évader par moments aussi, mais toujours dans l'idée d'apprendre, de comprendre, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller à l'aventure de soi-même également, parce que c'est un peu cela aussi, hein, le voyage. On lève l'ancre. Il y a la famille qui sera au centre de vos préoccupations, mais le renard représente aussi non pas la duperie, mais la stratégie pour avancer dans votre vie en ce mois de juin. Il y aura beaucoup de stratégies pour réaliser vos projets. Alors je vais prendre une dernière carte avant de prendre mon oracle, Smoothie et l'eau. Et il y a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est la grâce, c'est la protection. L'étoile indique que lorsque vous êtes, voyez, dans ce déplacement, dans ce voyage, dans cette évolution vers vous-même, dans l'aventure de votre vie, eh bien, vous serez protégé, guidé, peut-être sur le bon chemin. Hein. On pourrait dire que si vous partez dans un renouveau de vous-même, dans une nouvelle vie, dans un nouveau travail, dans une nouvelle rencontre, quel que soit, dans de nouveaux accords, voyez, parce qu'on a aussi la carte de l'accord qui est là, hein. Eh bien, ce sera protégé. C'est l'aventure de votre vie. Ne ratez pas cette aventure, ne ratez pas le bateau qui part, qui va vous amener vers un ciel étoilé, vers quelque chose de nouveau, de béni, de protégé. On continue, si vous le voulez bien. On va continuer pour les Capricornes avec Smoothie & Law, pour voir un petit peu le côté sentimental. Alors, je le redis, hein, c'est une entrée en Gémeaux, de Jupiter qui va vous donner une année magnifique avec beaucoup de succès, des efforts récompensés, l'occasion aussi pour ceux qui sont un peu fatigués de guérison, de santé meilleure, de meilleur équilibre, hein, et puis des rencontres, l'envie aussi de construire une famille, d'avoir un foyer. Regardez, l'union sort quand je dis cela, voyez, l'envie d'une union. Si vous entendez des petits cris, c'est mes petits chats, des petits nouveau-nés qui ont 8 jours, qui pleurent, enfin ils ne pleurent pas vraiment. Vous voyez, une union, hein, hein, voilà, une union qui est là, vous la désirez, bien elle est là, hein, elle vous tend les bras, elle vous tend les mains. Il y a de l'attachement, on l'avait vu, l'attachement, il y a aussi l'équilibre à trouver entre soi-même dans l'union, on pourrait voir aussi avec le yin et le yang, l'équilibre en soi pour pouvoir trouver l'équilibre avec l'autre, avec les autres, vous voyez. Mais on est sur le plan sentimental, avec l'envie, eh bien, de s'unir, de construire un foyer, de construire une famille, d'aller de l'avant, d'avancer ensemble, vous voyez. Alors, on va voir si cela est toujours aussi beau. Vous aurez beaucoup d'intelligence, de finesse d'esprit pour pouvoir justement réaliser cette union. Ça ne va pas être une histoire d'ego, mais ça va être peut-être l'histoire d'une certaine sagesse intérieure pour avancer dans l'équilibre avec l'autre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On a envie d'avoir une union apaisante, une union qui est aussi sur le plan de la conscience, sur le plan de la spiritualité. Mais il y a quand même Eros qui va taper à votre porte, qui va frapper. Hein. Alors, pour les célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un, si je peux dire risquer, donc vous aurez l'occasion plutôt de rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y aura comme un coup de foudre, là, comme une révélation, vous voyez, hein, beaucoup de désir, d'envie de construire, de créer, d'aimer tout simplement, d'être aimé. Des secrets vont être révélés. Alors les secrets, ça peut être des révélations sentimentales, hein, des affirmations de ses sentiments, mais ça peut être aussi d'une connaissance de vous-même et de l'autre. Peut-être que pour apprendre à se connaître, une fois passé le grand Eros Cupidon là, qui
qui frappe avec sa flèche, eh bien après petit à petit on apprend à se connaître, on parle de soi, on a envie de connaître l'autre davantage, on a envie d'une relation solide, alors on a envie vraiment de ne pas s'emballer et d'apprendre de l'autre, et d'apprendre de soi-même et d'apprendre du couple. En tout cas, il y a beaucoup de changements, de transformations. Vous allez entrer dans un cycle nouveau sur le plan sentimental, alors eh bien laissez-vous porter tout de même. Je vous fais confiance pour trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Vous avez envie d'un cycle nouveau, vous avez envie d'un changement, vous avez envie que les choses évoluent. Eh bien, je gage que dans ce mois, il y aura beaucoup d'évolution. Alors, pourquoi la suspicion? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous craignez de vous attacher, vous craignez de vous unir. Peut-être parce que bien, vous avez vécu des expériences difficiles, des expériences un petit peu décevantes, et peut-être maintenant, eh bien, c'est pour cela que vous avez besoin vraiment pour engager le changement dans votre vie sentimentale, eh bien de comprendre les choses, de, peut-être aussi de vous révéler, de parler de vous, de fixer des, comment pourrais-je dire, pas des objectifs, mais des étapes, voyez, des étapes pour avancer, hein, pour peut-être lever le voile de ces suspicions, de ces craintes. Parce que quand même, il y a une idée de bonheur, de félicité. Hein. Vous y croyez encore, vous en avez envie, et vous voulez vivre ce bonheur. Et ce bonheur, il est là, il vous tend les bras, il vous tend le cœur, je dirais. Alors pourquoi sort la carte de la trahison, la perfidie? Eh bien parce qu'une fois encore, je le dirais, hein, voilà, pour certains, vous avez vécu des moments difficiles, hein. Des moments tellement douloureux, hein, que vous, maintenant, vous ne voulez pas répéter les mêmes choses, répéter le même schéma. Et c'est intéressant parce que vous allez, avec ces nuages, cette confusion qui va peut-être pendant un moment vous habiter en ce mois de juin, eh bien, vous allez réussir, je dirais, à opérer un changement de paradigme, dans le sens que vous allez peut-être de nouveau vous redonner, comment pourrais-je dire, l'opportunité, l'occasion, la confiance en vous-même et en l'autre. Hein. Alors je parle pour ceux qui sont en couple, mais aussi pour les célibataires. J'allais dire après les nuages viennent le soleil. Et voyez, le soleil va être là, va éclairer un petit peu, va éluder, évacuer les derniers nuages, les dernières peurs pour avancer vers ce bonheur qui vous tend les mains. Il y a une belle énergie d'action, une belle énergie de soleil. Vous allez vous montrer solaire. Vous voulez que votre amour soit solaire. Vous le voulez, ce bonheur. Et les difficultés, les nuages, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, eh bien, ça va être non pas effacé, mais ça va être... Comment pourrais-je dire? Être... une sorte de substrat, de terreau, sur lequel vous allez semer de belles choses. Vous allez vous autoriser, hein, à être heureux, à connaître les plaisirs de la vie, les réjouissances, la joie. Hein. Vous allez croire en nouveau. Hein. Vous allez passer un cap. Il y a cette carte du changement, ne l'oubliez pas, qui est là. Vous allez passer un cap pour pouvoir enfin... Allez, je vais finir avec cette carte magnifique. Être vraiment dans une union équilibrée, en finesse d'esprit, dans l'intelligence, mais en même temps qui va vous amener beaucoup de douceur, de sécurité, de joie. Mais le foyer, la sécurité, l'union, hein, le partage pour être heureux, pour être bien, pour évacuer justement et aller de l'avant et croire encore que tout est possible, que l'amour est possible, que construire une vraie famille, une belle relation est possible. Alors soyez original par moment, ne soyez pas trop rigide, vous Capricorne, oui, vous êtes quelqu'un de travailleur, mais il n'y a pas que ça, il y a des moments où on a besoin aussi de se détendre, d'être heureux, de faire confiance en la vie, et je vous fais confiance et je vous embrasse à tous, je vous dis excellent mois de juin, à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous en remercie, et quand vous vous abonnez, appuyez sur la cloche de notification, et puis ceux qui désirez un rendez-vous de voyance avec moi, eh bien, je suis médium Canal Pur, je vous invite à me téléphoner, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. C'est mon téléphone, n'hésitez pas à prendre le téléphone et à me parler de vive voix. Je vous remercie, à très bientôt, bye bye.